Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir retirer les pièces du Battlestar AI. On en avait parlé déjà sur cette chaîne et aujourd'hui, je vous explique comment c'est possible de retirer cette pièce-là. Alors, attention, il va falloir suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer la procédure entière et je vais vous donner aussi mon avis par rapport à la procédure qui a été définie par l'équipe du projet. Déjà, pour ceux qui ne savent pas comment rejoindre l'équipe du projet, vous pouvez déjà directement les rejoindre sur Telegram, d'accord? Et vous allez pouvoir suivre les informations. Vous pouvez aussi les rejoindre sur Twitter ici. Et vous allez pouvoir donc suivre les actualités du projet. Alors, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite donc pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Dis-moi en commentaire ton impression par rapport à la méthode de retrait que je vais vous expliquer ici. Alors, il y a deux options. La première option, c'est d'abord de passer par la mise à jour de l'application, c'est-à-dire faire télécharger une nouvelle version de l'application. Donc, je retourne ici, voilà, sur la plateforme de l'application. Donc, tu vas sur le lien du site de l'application et tu vas télécharger en fait la version Android APK de l'application. C'est valable pour les nouveaux aussi qui n'avaient pas encore utilisé l'application. Vous pouvez directement le télécharger. Télécharger cette version Android APK. Et vous allez l'installer. Donc, vous l'installez directement. Alors, quand vous l'installez, on va vous demander en fait. Donc, vous faites ça. Vous cliquez sur ça. Vous téléchargez. Vous allez ouvrir le fichier. Et on va vous demander de mettre à jour l'application. Voilà. Chez moi, c'est mettre à jour l'application. Donc, moi, je vais faire la mise à jour de l'application. Alors, pour vous les nouveaux, on va vous demander en fait de télécharger la nouvelle version. Moi, c'est une mise à jour que je vais faire. Alors, donc vous, à votre niveau, vous allez télécharger l'application, d'accord? Et vous allez commencer par vous inscrire. On va vous demander de créer un compte. Et vous allez suivre la procédure pour créer un compte. C'est très, très simple, ce n'est pas compliqué. Alors, lors de la création de votre compte, vous allez devoir sécuriser votre clé privée. Ils vont vous donner une clé privée que vous allez générer premièrement à la première étape de l'inscription. Cette clé est à protéger. Alors, une fois que c'est fait, vous allez accéder donc à votre compte et vous pourrez donc gagner gratuitement des pièces. Maintenant, pour gagner gratuitement des pièces, pour les nouveaux, vous aurez besoin d'utiliser un code d'invitation. Vous allez venir cliquer ici. Quand vous allez finir donc de créer le compte, vous verrez que votre tableau de bord va afficher 0$. Vous allez cliquer sur « Invite » ici et vous aurez un code qui va s'afficher. Ce code-là que vous voyez ici. OK? Donc, ce code que vous voyez ici, c'est ça que vous allez mettre pour pouvoir être invité. Donc, je vous le mets en description de la vidéo. Vous le mettez directement et vous allez recevoir 40 pièces de Battlestar AI pour le nouveau. OK? Alors, maintenant, pour les anciens, vous avez vu, j'ai fait une mise à jour de l'application. Donc, après la mise à jour de l'application, déjà, il faut venir voir ici que la pièce de BS Battlestar est déjà en fait listée et a une valeur déjà. Donc, c'est à 0,02$, je crois. Donc, déjà, c'est ce qu'ils ont mis. Je ne sais pas si je me trompe. Donc, du coup, vous pouvez déjà faire du trading de cette monnaie sur la plateforme seulement. D'accord? Alors, vous allez venir cliquer maintenant sur « Jeux » ici en bas. Là, on a mes jeux. OK? Et normalement, initialement, ils avaient dit ici de faire une liaison. De faire une liaison du portefeuille avec Google Authenticator. Bon, malheureusement, je ne vois plus le truc de liaison. En temps normal, si vous faites la mise à jour, ça devrait afficher un truc où vous allez faire la liaison. OK? Donc, vous copiez votre code, vous liez à votre Google Authenticator. C'est pour pouvoir faire le retrait au moment venu. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, maintenant, une fois que vous avez fini de faire cela, c'est très simple. Vous allez revenir sur votre portefeuille. Ils ont dit que pour pouvoir faire le retrait, il faut utiliser son portefeuille pour faire pour faire des dépôts, faire des transactions sur la plateforme. Vous voyez ici, vous avez l'USDT, le TRINS et l'USDC. Il demande de faire une transaction entre une transaction minimum de 100 de une transaction minimum de 100$ sur le portefeuille. Et vous allez devoir donc envoyer de l'argent, soit vous le stackez, vous le déposez sur votre portefeuille, d'accord? Vous faites du staking sur la plateforme, au moins 100$ sur 11 jours. Quand vous stackez, vous faites cette transaction sur 11 jours, en fait, ils vont vous débloquer chaque, à partir de, après ça, ils vont vous débloquer chaque jour maintenant 0,3% de ce que vous aurez gagner des pièces que vous avez sur votre portefeuille. Ça sera débloqué automatiquement. 0,3% de votre portefeuille, de vos gains en BS seront débloqués chaque jour
et converti directement en USDT que vous pourrez retirer. J'explique. Voyez ici, par exemple, j'ai 115 200 $. Alors, si je dépose, je vais copier mon adresse ici. Pour faire le dépôt, c'est simple. Vous copiez votre adresse de portefeuille. USDT, vous voyez là, moi, c'est tout ce que j'ai sur mon portefeuille USDT. Donc, je vais copier cette adresse-là. D'accord? Adresse qu'ils ont mis ici. Donc, je copie cette adresse. Et je vais en fait aller envoyer sur le portefeuille en fait de l'USDT. D'accord? J'envoie de l'USDT. Donc, je vais sur mon portefeuille, par exemple, Trust Wallet. OK? Et donc, une fois que je suis sur mon portefeuille Trust Wallet, je vais envoyer. Donc, par exemple, j'ai 40 $ ici. Si je veux, par exemple, participer et pour pouvoir débloquer mes gains, je vais simplement cliquer sur envoyer. Je colle l'adresse et je mets le montant que je vais envoyer. Je suppose que je vais envoyer 100 $. Donc, je clique sur continuer et je confirme l'envoi. Donc, j'envoie ce montant-là sur l'adresse du portefeuille Bittersteed Eye, là-bas, directement. OK? Et donc, quand je vais le faire, ils vont me donner la possibilité maintenant de commencer chaque jour par accéder à 0,3% de mon portefeuille. Ça veut dire qu'en un mois, en fait, je vais gagner 9% de mon portefeuille. 9% de mon portefeuille en Bittersteed sera donc déverrouillé, débloqué. Et ça va directement s'ajouter à mon solde en USDT ici que je vais pouvoir retirer. C'est ce que les propriétaires de la plateforme ont dit pour pouvoir retirer vos pièces de Bittersteed Eye. Alors, ça, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, moi, je pense quand même que pour mesure de précaution pour les abonnés de ma plateforme, je vous conseillerais de ne pas encore envoyer cela, d'attendre et qu'on voit s'il y aura une version gratuite. Parce que du moment où on a miné une pièce et on nous demande maintenant de faire des dépôts d'argent pour pouvoir débloquer la pièce, moi, ça me paraît un peu louche. Donc, du coup, je vous conseillerais d'attendre pour qu'on voit un peu l'évolution du projet avant de demander le déblocage, avant de faire un investissement quelconque. Vous pouvez aussi, ils ont dit sur la plateforme, qu'on peut aussi faire de l'investissement directement. C'est-à-dire, vous allez directement venir ici faire de l'investissement sur le marché. On clique sur commerce. Vous allez pouvoir aussi directement déposer des pièces, des USDT ici, d'accord? Et qui sont sur votre portefeuille, vous allez pouvoir les convertir en AI. Donc, vous faites du trading de la pièce en fait. Et quand vous faites cela directement, ça va en fait vous donner la main pour pouvoir faire des retraits et de la pièce BS. Et ça, c'est après 11 jours que vous allez pouvoir le faire. Donc, ils ont été clairs en disant, je vous montre un peu les détails des différents types de retraits. Voilà, dans leur groupe, ça a été précisé. Donc, si vous voulez en fait procéder à des retraits, donc vous déposez un équivalent de 100 USDT ou 2000 TRINS. Et 11 jours après, vous aurez accès donc à vos... Ils vont commencer par débloquer 0,3% de votre portefeuille. OK? Donc, ça veut dire que vous allez commencer par gagner en fait entre... vous allez commencer par gagner entre 115 et 148 BS coin par jour. C'est ça qu'ils vont vous débloquer. Donc, sur 30 jours, en fait, vous allez donc pouvoir gagner ce montant-là. Alors, en fonction de cela... ça vous fera donc 9% par mois. Donc, s'ils incluent en fait le high trading et tout, vous allez pouvoir donc vous retrouver à 24% par mois. Donc, c'est ce qu'ils ont dit sur la plateforme. Donc, vous pouvez voir ici les différentes stratégies, les différentes méthodes de retrait. Et pour ceux qui veulent bien sûr prendre de risques. Mais si vous ne voulez pas prendre de risques, je vous conseillerais de vous calmer, d'attendre qu'une version gratuite soit disponible. Parce que normalement, pour une pièce qui en est drop et tout, on ne devait pas faire de dépôt d'argent avant de retirer ses monnaies. Voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, à vous de voir quel type de risque vous pouvez prendre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si tel est le cas, n'hésitez donc pas à me dire en commentaire votre impression. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.